Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du L qui disparaît. On a vu que le E disparaît souvent, mais le L aussi. Et le plus important à connaître, c'est le petit L qui disparaît dans l'expression il y a. Il y a, on prononce souvent ya. Au Québec, au Canada, ça peut être ya. Donc, dans la vidéo Un pad thaï à Bangkok, je dis il y a les gens qui font la queue, il y a un line-up. Il y a les gens qui font la queue, il y a un line-up. On prononce il y a les gens qui font la queue. Quand je parle du petit dessert à la noix de coco, je dis il y a deux parties. Il y a deux parties, il y a deux parties. Et à la fin de la vidéo, dans le blooper, je dis il y a deux filles qui me regardent, il y a deux filles qui me regardent. Donc, quand on parle vite, c'est tout contracté et c'est naturel et il faut le comprendre. À bientôt!